je suis Philippe Boivin, compositeur de cet oratorio météorique, entre autres. Et il se trouve que j'ai exercé des fonctions de responsabilité au centre de formation de musiciens intervenants de l'université d'Aix-Marseille pendant une dizaine d'années. Et juste avant de partir en retraite, il y a 2 ans, eh bien, on m'a proposé de contribuer au répertoire des chants que l'on peut pratiquer dans les écoles. Donc c'est vraiment avec un très grand plaisir que j'ai accepté de me lancer dans cette aventure d'un oratorio qui s'adressait à de multiples participants, à commencer par les enfants des écoles, que font travailler nos musiciens intervenants du CFMI, mais également un orchestre à l'école situé dans les quartiers nord, qui est encadré par des musiciens de très haut niveau, puisque ce sont les musiciens de l'ensemble Sébarré, mais également un baryton solo, également un orchestre symphonique universitaire et les marionnettes. Donc c'est un spectacle un peu protéiforme. Quand on écrit pour des ensembles très professionnels, on est très libre, on peut écrire à peu près tout ce qu'on veut, on sait que ce sera bien joué. Là, il faut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de précautions. J'avais prévu d'écrire 6 songs, j'appelle ça comme ça, en fait c'est 6 chansons pour les enfants des écoles. J'ai fait tout un travail préparatoire sur les comptines, de savoir comment marchait une comptine. Je me suis rendu compte qu'il y avait 3-4 notes, très peu de notes. Et donc petit à petit, il a vraiment fallu construire toute une architecture qui aurait pu accueillir des petites chansons facilement transmissibles aux enfants sans connaître le solfège, mais également un orchestre symphonique, également des solistes. Voilà, donc ça a été en fait un travail assez important de préparation, et j'étais amené donc à inventer tout un système harmonique, rythmique, spécialement pour cette œuvre. Je suis vraiment assez impressionné par le travail qu'ont fait les enfants. Ils ont fait un travail absolument extraordinaire. Je leur faisais un petit peu peur au début, et finalement, quand on voit aussi les institutrices, là, elles sont vraiment à fond dedans. Et je pense que c'était un grand moment pour eux, dont ils se souviendront, qui font partie de leur construction, à mon avis. FMI, c'est des choses qu'on avait mis en place. Hein. C'est-à-dire, tous les ans, on faisait une création qui mobilisait beaucoup de chœurs d'enfants spatialisés, chaque chœur étant dirigé par un étudiant du CFMI. Pour les étudiants, je pense que c'est vraiment important pour eux d'avoir fait, enfin, il faudrait leur demander d'avoir fait ce projet. Mais justement, en première année, on leur apprend à faire des transmissions de chansons très simples. Et puis en deuxième année, quand ils passent leur examen, on leur demande de faire du chant polyphonique. Et il me semblait qu'il y avait un petit maillon manquant dans le plan de formation, justement, pour passer de l'un à l'autre. Et c'est finalement, après avoir été les visiter sur le terrain, essayer de les conseiller pendant une dizaine d'années, j'ai un petit peu stocké toutes ces problématiques. Et en écrivant les songs, pour moi, c'était aussi peut-être une manière différente d'essayer de contribuer à leur formation et peut-être combler par la musique le chaînon manquant que je n'avais peut-être pas suffisamment bien comblé alors que je faisais le plan de formation, par exemple. Et souvent, je pense que de toute façon, c'est dans la musique que les problèmes se résolvent et pas dans la pédagogie. La pédagogie, elle est au service de la musique et pas l'inverse. Asperger la lune, les grenouilles, les bateaux.